Faut tout montrer de toute façon. Donc là, la course, là de là, on monte au col des Pergères, c'est la montée. Donc ici, on est au 23e, au col des Pergères, on est au 29e. Au bout de 6 km, on est à 13 380. 6 km, 1380. Après, on continue Rocher des Taillades, Tour des Poignets, c'est le point le plus haut, 1500 mètres. Rocher d'Abraham, 1014. Donc là, par contre, on ne va pas aller carrément en crête, hein, parce qu'il y a trop de neige, donc c'est moins. Voilà, ça sera une piste. Ça sera une, la piste est en parallèle avec la crête. Et on va arriver, après, on va rejoindre vraiment le vrai 53 km. Au 38e kilomètre du 53, on rejoint le 53 km et on fait tout le dernier parcours du vrai 53. Allez. En compagnie d'Anne Paringer, encore, et bon courage à tous, les amis! Alors Juju, tes sensations? Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Le long de la rivière, on est bien. T'as pu voir aussi un petit peu la mine de plan argentifère qui est fermée aujourd'hui? Ouais, on a vu la mine, le petit pont sur l'Ardèche. Authentique. Bon, j'ai l'impression que tout le monde suit, ça va les collègues? Ouais, nickel, parfait, voilà. Magnifique. Ouais, allez, bon c'est courage à vous. Bon. Allez, mon Lulu. Ouais. Allez. Hey Fred, voilà Marc, tes sensations? Ouais, excellente. S'il te plaît, ouais? Ouais. Bon, c'est cool. J'aime bien tous ces paysages avec les petits murs, les vieux chemins. C'est sympa. Voilà. Et le meneur d'ailleurs, Jean-Luc? Ouais. Alors Ludo, tes sensations? Excellent. Ça va, ça va, mais... ça te plaît? Ouais, très beau parcours. Franchement, le paysage est magnifique. Super région. Hein. T'étais jamais venu en Ardèche, non? Non, jamais, c'est la première fois et le paysage est magnifique, quoi. Vrai régal, en plus c'est surtout la beau temps. Dommage qu'on ne pourra pas faire les crêtes, mais bon, ouais. Ça sera pour le 7 juin. Ça marche? Ouais. Je pars à mon allure. Et sur la fin, je les explose tous. Ça faisait une piste de 11 km, donc ça faisait un peu long. La première année, c'était. La deuxième année, là-haut, on a continué et on va prendre la piste à peu près à 5 km plus loin. Voilà, on récupérera la piste à 5 km. De la piste, ouais. Voilà. Là, si on descend là, à 2 km à peu près, on est à Mazan, là où on a arrêté les voitures. Voilà. Là, dans un quart d'heure, on y est. Quoi. Voilà. C'est plutôt que c'est vrai qu'ici on peut faire des parcours. Quoi. Ah ouais, il y a plein de chemins. Voilà. Ils sont bien balisés et tout. C'est beau, ce là, il y a une super descente là. Ah oui, c'est, voilà. C'était magnifique la descente. J'ai bien failli me casser la gueule. Par contre, là où il y a un super chemin, c'est. Parce que la crête, on l'a su à peu près à ce niveau là, puis on rentre un peu dans le bois. Et là, c'est un ancien chemin des gardes. Il n'y a que des pierres, que des caillasses avec. C'est super bien, c'est joli. Ah oui, voilà. Ouais, il est fermé à moitié. Ouais. Au début, il est fermé, c'est pour ça qu'on passe en crête et après on redescend sur ce chemin. Ouais, il y a eu des éboulements. Donc. Trois mots pour définir ce parcours. Trois mots, ben on est pas mal, hein, je sais pas. On est pas mal du tout. Hein. On est pas mal ça du tout. Plus que trois mots, mais. Pas mal du tout, c'est très bien. Ouais. Il faut plus que trois mots pour définir ce parcours. Super. Julien. Ensuite, trois mots, trois jolis mots pour définir cette vue. Trois jolis mots, superbe. Et content de voir la neige et super météo, je suis content d'être là. Alors, ça fait quel effet? Stratégie réussie? Ah ouais, c'est magique, hein. C'est magique. Salut. La neige, le soleil. Superbe. Elle est où la bière?